Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode sur My Summer Car, épisode numéro 3 normalement. Alors j'avais déjà enregistré un épisode auparavant, avant le live, mais je me suis dit que ce serait peut-être plus judicieux de vous faire un épisode 3 après le live, hein, pour voir ce qui s'est un peu passé. Comme vous voyez, c'était une soirée assez agitée, puisque j'ai laissé ma moto dans le divan, dans le fauteuil. J'ai fait un peu des conneries, ouais. Ouais. Alors, je cherche la mop, en fait, l'espèce de balai pour nettoyer. Dans le temps, elle était ici. Maintenant, je sais pas où elle est. Alors, celui-là qui sait peut-être me dire où elle pourrait se trouver, je l'invite à le laisser ce petit message dans les commentaires, parce que c'est un truc pour nettoyer les sols et j'en ai besoin, comme vous pouvez le voir. Ah ouais, il fait noir, attendez. On va peut-être aller voir quelle heure il est d'abord. Ah ouais, quand même, putain. Bon, je vais aller pioncer. Alors, je remercie pour tous ceux qui laissent des commentaires, des petites critiques positives ou négatives, hein. C'est toujours bien des critiques constructives. Waouh, excellent. On dirait le tunnel dans Portal Knights. Augmente la qualité ou baisse la qualité, enfin, je sais pas. Ça, c'est des critiques constructives, tu vois, parce que on n'est pas censé savoir ce que vous voyez sur votre écran. Et si moi je vois par exemple que ici je vois tout alors que vous sur vos écrans vous voyez rien, voilà, moi je peux pas savoir ça. J'ai aussi été chercher ça, hein, le petit seau. On va pouvoir faire du Kill You, hein. C'est un alcool qu'on peut revendre. Apparemment. Oh, ne me dis pas. Oh, d'accord, ok. Ouais, j'ai capté. Je pense que. Attendez, je vais aller chercher ma moto. Peut-être attendre qu'il fasse clair. Non, on va pas attendre. Allez, on y va. Voilà. Ah, je vais juste faire un truc avant de partir. Je vais aller voir dans le. Ah ouais, y a pas de facture. Ah ouais, ça c'est le fameux ordinateur là qu'on peut se payer. C'est quand même 6500 le merdier. Hein. Enfin, c'est pas grave. Putain, la moto, fieu. Elle était dans le sol. C'est reparti pour un tour. Putain, ça glisse. Je vais rouler doucement, hein, parce que j'ai pas envie de mourir de nouveau. Faut savoir que dans le live, je suis mort vraiment bêtement. J'ai appelé mon cousin pour venir me chercher et le mec il s'est pris un arbre de plein fouet, quoi. Moi je m'en suis pas sorti, mais lui il roule encore toujours ici dans les environs. Allez, on trace la route, on va aller chercher ce filtre à huile qu'on a besoin. Putain, fieu. Putain, il a failli m'écraser, mon cousin, là.
Enfin, on est arrivé. Ouf. Mais je me rappelle que le filtre à huile était ici quelque part. Ah, il est là. Ouais, excellent. J'avais acheté le filtre à huile l'autre fois. Et du coup, je l'ai fait tomber, ou je sais plus, il était tombé quelque part. Du coup, maintenant, je peux le récupérer, c'est bon ça. Attendez, hein, je suis une petite clope. Pour le stress, regardez ma barre de stress, comment elle va descendre. C'est excellent. Bon, je suis encore un peu stressé, mais ça va quoi. C'est pas pour dire... voilà. Allez, moi j'aimerais bien voir un My Summer Car 2. Hein. Franchement, ce serait le kiff quoi. Avec beaucoup plus de possibilités, une plus grande map, des magasins un peu partout. Ah, franchement, ce serait terrible. Enfin, bref. On peut toujours rêver, hein. C'est le virage, c'est mortel. Hein. Non, oh fuck. Oh. Oh putain. Et stop la moto. Bon, avec ce que j'ai dans le frigo, je pourrais encore survivre quelque chose, donc ça va prendre un petit temps avant qu'on reparte au magasin. Maintenant que j'ai tout pour réparer cette voiture, je pense que on va se concentrer sur la préparation de la voiture, les petits jobs et la pêche. Puisque ça aussi, on doit faire, on doit aller chercher du poisson pour notre grand-mère. Donc c'est très important qu'on fasse un peu des deux, un peu des trois. Et ne plus aller bêtement au village pour rien. Ah, je commence à gérer la moto, hein. Ça y a aucun doute. C'est juste que je dois faire gaffe quoi. Pas faire des mouvements trop brusques avec le clavier. Parce que je joue au clavier. Hein. Impeccable. Ah, on est bien. Donc du coup, attendez, faut que je sorte ça. Close. Il est où? Putain, à nouveau quoi. Putain, à chaque fois que je suis ici, je perds du matos quoi. L'autre, pendant le live, j'ai aussi perdu mon sac. Oh fuck, je vais devoir le faire d'une autre façon, hein. Le transport des aliments et des autres trucs, parce que voilà, le sac à dos il fonctionne, hein, mais une fois qu'on arrive dans le... Ah. C'est quoi cette histoire? Putain. Je suis bourré moi ou quoi? Je sais pas ce qui s'est passé là, mais... Enfin bref, c'est pas grave, on a le filtre. Excellent. Voilà, nouveau filtre à huile pour la voiture. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter encore quelques petits machins trucs, hein, des petits bidules. Ça, on n'a pas besoin directement. Ça, on peut éventuellement installer, ouais. Ouais. Voilà, c'est là. Excellent! Alors, quelle taille de boulon il faut? Il faut du 7. Alors, voilà. Vous voyez, j'ai aussi récupéré mon matos. Hein, pour ceux qui veulent voir l'épisode où je vais chercher tout ça,
et où bien sûr je me pète la gueule plusieurs fois, où je meurs aussi. Je vous invite à aller voir la rediffusion du live, hein, et en fin de live environ, je fais du My Summer Car, parce qu'on a fait trois jeux différents. On a fait Valheim, on a fait My Summer, non, on a fait Valheim, Scrap Mechanic et ensuite My Summer Car. Quoi. Donc on a fait beaucoup quoi. Voilà, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Enfin, faut que je regarde encore une fois un truc là. Attendez. Ah ouais, le démarreur. Mais le démarreur, je peux le placer que après. Ce que je vais faire, comme j'ai déjà placé, est-ce que je pourrais déjà placer le moteur en fait ? Non, non. Attendons voir. Ah, le distributeur. J'avais oublié celui-là, tiens. Et devant, distributeur. Voilà. Bon, on va pour l'instant laisser ça comme ça. Je vais prendre... Impeccable. Donc du coup, le moteur est monté. Là, j'ai monté tout ce qu'il fallait monter sur le moteur. Le reste, tout se raccorde à la carrosserie, hein, vous voyez la petite autoradio. Les réservoirs de le filtre à combustible et tout ce qui va avec. Hein. Le radiateur, je peux éventuellement déjà le mettre sur la carrosserie. Vous voyez, comme ça, normalement. Merde. Voilà, impeccable. Normalement, faut l'attacher, non ? Ah, il y a des boulons. Faut quoi comme boulon ? Du 7. Ok, il faut du 7. Je vais voir si j'ai du 7. Impeccable. Alors, comment je fais ? Ok. Ça s'est attaché. Impeccable. Éventuellement, je pourrais racheter un nouveau radiateur après. Mais pour l'instant, ben, on va faire avec ça, quoi. On n'a pas trop le choix. Ok. Du coup, alors, je voudrais installer déjà l'électricité dans le merdier. Seulement, il faudra installer d'abord le moteur dans le... Ben, la carrosserie, quoi. Non. Apparemment, il n'y a pas de boulon pour attacher ça. C'est... Ok. Bon, bah, tant mieux. Quand même vérifier de l'autre côté. Non. Il n'y a pas d'autre boulon. Enfin, c'est pas grave, tant mieux. C'est tant mieux. À moins que... Attendez. Ouais, je peux déjà l'attacher là, en fait. Mais je sais pas quelle taille c'est. Il faut une clé de 7, mais une clé... clé anglaise, quoi. Voilà, c'est raccordé à l'embrayage, ça. Impeccable. Je vais une fois voir là-bas si je dois encore accorder des trucs. Bon, normalement oui. Voilà. Impeccable. Il y a encore d'autres trucs à modifier ou à changer, je sais pas. Non, apparemment pas. Le reste c'est pour accorder à la pompe et tout. Donc pompe à carburant et tout le bazar. Ou le filtre à carburant peut-être. Câblage électrique, ça aussi je vais déjà mettre. Comme ça c'est fait. Ah, je viens de remarquer un truc, tiens. J'ai oublié d'attacher les suspensions, quel con. Pour ce qui est de la peinture, là, je sais pas où elle est. Hein. Je l'ai acheté durant le live, j'ai acheté une peinture orange. Parce que je trouvais que ça pourrait être sympa, une voiture orange.
Et du coup, deux bonbonnes de peinture qui ont disparu dans le néant, quoi. Je les avais lâchées ici exactement au même endroit que. Voilà, également ici. Au même endroit que le filtre à huile et ceux-là ont disparu, quoi. Le sac, en fait, le sac, il a disparu. Pour vous dire que c'est vraiment de la merde ce jeu. Je vais m'arrêter là. Hein. Je pense que j'ai déjà fait assez. On se retrouve dans le prochain épisode pour mettre le moteur dans la voiture. Hein, avec l'espèce de girafe ici. Moi j'appelle ça une girafe. Certains appellent ça d'une autre façon. Moi j'appelle ça comme ça. Et on se retrouve pour le prochain épisode, ce qui sera l'épisode numéro 4. Allez, je vous laisse et ciao ciao!